أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Et là on va commencer le voyage. Un voyage dans sourate al-Fatiha. Al-Fatiha signifie celle qui ouvre. Celle qui ouvre le Coran, celle qui commence le Coran, mais celle qui va ouvrir ton cœur et mon cœur, Inch'Allah, à la réalité de l'islam, la réalité de la beauté de cette relation dogmatique qu'on a avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah, azza wa jal, de mettre la baraka dans ce voyage qu'on va vraiment commencer ensemble, Inch'Allah wa ta'ala. La Fatiha commence par « Alhamdu lillahi rabbi al-alamin ». On va voir un petit peu chacun de ces mots. Premièrement, « Alhamdu », la louange. Ici, nous avons deux dimensions dans le terme de la louange. Premièrement, la louange par essence. Ah, c'est des mots qui sont compliqués, mais on va simplifier. Allah, par essence, lui-même, l'éternel, le parfait, mérite la louange. Que tu aies reçu ou pas reçu, qu'il t'ait donné, que tu aies conscience qu'il t'ait donné ou non, par sa perfection, il mérite la louange. C'est une louange qui nous accompagne tout le long de nos existences. Nous avons ensuite une deuxième dimension dans la louange qui est ce qu'on appelle « shukr », c'est-à-dire le remerciement. Quand Allah Azza wa Jal te donne, tu dis « Alhamdulillah ». Tu vois, la première va te suivre dans toutes les situations et tout le long de ta vie. La deuxième sera quand Allah Azza wa Jal va te donner. Et c'est pour ça que même dans les épreuves, on dit « Alhamdulillahi ala kulli hal ». La louange appartient à Allah Azza wa Jal dans toutes les situations. Même dans le malheur, tu fais la louange à Allah par rapport à la première chose que j'ai mentionnée. Deuxième élément, cette louange, elle est fondamentale dans la vie du croyant parce qu'elle représente notre reconnaissance envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et on doit toujours garder à l'esprit que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous aime et que la seule chose qu'il nous a imposée, c'est de faire sa louange dans nos cœurs, sur nos langues et dans nos actes. Alhamdu lillahi. Ici, le li, c'est la possession. Allah, écoutez bien Allah ce que ça signifie. Celui qu'on adore seul, sans associé, celui dont le rapprochement provoque en nous une joie intense et dont l'éloignement provoque en nous un désespoir profond. D'accord ? Ça, c'est Allah, le seul digne d'être adoré. C'est-à-dire que quand tu dis Allah, la notion même du tawhid, la notion même de l'ikhlas, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal mêlée à l'intention pure de l'adorateur, eh bien, ceci est exprimé par le simple nom d'Allah. Et au passage, quand on dit Allah, c'est tous les noms d'Allah qui sont mentionnés en vérité. Alhamdulillahi. Mais qui est Allah? Allah nous dit que la louange lui appartient, c'est un état de fait. Mais qui est-il? Et il va commencer à nous expliquer dans la Fatiha qui est Allah. Et il va nous donner le premier nom qui vient expliquer. Alhamdulillahi. Mais qui es-tu, ya Allah? Rabbi al-alamin. Ici, le terme Rabb, il est souvent traduit en français par le Seigneur, et c'est tout à fait normal de le traduire par le Seigneur. Mais en vérité, il y a plusieurs dimensions à l'intérieur de celui-ci, principalement quatre dimensions. Quand on dit le terme « Rabb », on se rappelle qu'il est « Al-Khaliqu », le créateur de toutes choses. « Al-Maliku », comme il est le créateur, il est celui qui possède toutes choses. « Al-Razzaq », celui qui donne la subsistance. Et enfin, il est capable de tout. « Wa ala kulli shay'in qadir » Ici, on a la notion de quoi? De la prédestination. Regarde comment c'est complet. Il t'a créé, et comme il t'a créé, il te possède. Et comme il t'a créé et qu'il te possède et qu'il est juste, il ne te laisse pas mourir de faim. Et il te donne la subsistance de ton âme par la foi et la subsistance de ton corps par la bouche et la nourriture. Et n'oublie pas une chose, que dans tous les cas, c'est lui qui décide de tout. Simplement avec le nom d'Allah, Rabb. Et ici, Rabbi al-alamin des mondes. Ici, certains savants nous disent que c'est le monde des humains, d'autres nous disent non, c'est le monde des humains, des djinns, des anges, des plantes, tout un tas de paroles. L'important, c'est qu'il est le Seigneur de toutes les créatures, subhanahu wa ta'ala. On dit donc, alhamdulillah et Rabbil alamin.
demande à Allah Azza wa Jal de mettre ses bénédictions, la baraka, dans notre ilm, inshallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمنا جميعا يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب